le Seigneur. Amen.

De bonne devant toi je, je me répands. Fais de moi de ce que tu voudras. Devant toi je me réponds, Fais de moi ce que <coughs> tu voudras. Comme l'argile devant les, les potiers. Donnez-moi la femme qui te plaît. Oh yeah Fais toute chose en son temps. Je serai toujours confiant. Sois béni, sois béni. Alors, Alléluia. Garde-moi près de toi. Je, je me réhabiterai chez toi. Tous les jours ici-bas. Que, ma vie, que ma vie soit une fleur. Un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une Un parfum de bonne odeur. Moi, tout vie doit être une, comme une fleur. Chaque jour, nous devons nous examiner. Devant ben, toi, je me répands. Fais des Shalom, maman, bénédiction, Elisa. Depuis le Maroc, sois béni. Mon fils Cédric Boimbo. Depuis les États-Unis, soit béni, mon, mon fils. Comment va ta famille Que ma vie soit ah, tu me plais, un parfum pour toi, Seigneur. Je répands. Oh yes. Fais de moi ce que tu veux. Devant toi, Seigneur, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. C'est le brisement. Fais, ce Fais de moi ce que tu voudras. Oh Éternel notre Père. Je me répands. J'ai dédié ce chant à toutes mes filles et mes fils. Alléluia. Fais de moi ce que tu veux. Je vends toi, je ne réponds, Seigneur. Fais de moi ce que tu voudras, Éternel. Fais de moi ce que tu voudras. Toi, Fais de Fais de que tu vois. Vois. ma vie soit une fleur. Et parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. Seigneur, ce matin. Je suis entre tes mains, Seigneur. Papa, me voici. Oh, Seigneur. Merci, Seigneur. Je suis entre tes mains. Seigneur, me voici, Seigneur. Oh, Père, tu es ma vie. Fais de moi ce que tu veux, Papa. Oh, pute ma je ne suis rien faireorcachandara bbbb seigneur merci hey, oh, 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 yes. Je t'appartiens Seigneur, oh Père. Ma vie entre tes mains, Papa. Oh Dieu, je t'aime. Alléluia. Il la maison, si ça se coupe. Hein? Vous passez sur le deuxième compte. Amen. J'utilise mes deux comptes ce matin. Si ça se coupe là, là vous passez directement sur le deuxième compte. Je vois les gens qui sont sur le deuxième compte. Alléluia. Oh Seigneur, que ta puissance est manifeste dans ma vie ce matin. Oh yes. Seigneur, me voici. Oh père de bonté, père de gloire, je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai personne d'autre que toi. Éternel, tu es ma force, papa. Éternel, tu es mon Dieu, papa. Éternel, est où irai-je loin de ta face, papa? Éternel, tu es tout pour moi, papa. Mon âme est bénit ce matin, mon âme est loue, papa. Oh merci Jésus. Bon, là, ma Chandra, le bébé. oo nayana nguya nayo angolabaoso atina baplizo ya weioo roi oma nes pas te veni ce matin pe oma nes pas éleve ton bo nom oma nes pas exarté ton nom papaorabahé élev la voix seigneur Exosse moi ta fidélité père je viens seigneur Seigneur, me voici entre tes mains. Fais de moi ce que tu veux, Père de gloire. Que ta puissance se manifeste dans ma vie, ô oh Père. Chaque matin, chaque jour. ma sua beni que vous si pu Vous avez le choix, il y a deux comptes. Vous allez sur le compte Irène, Israël. Il y a deux comptes. Si ça se trouve ici, allez-y sur le deuxième compte. Soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus Christ. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Amen, amen. Nous élevons nos voix et nous bénissons le Seigneur. Nous élevons nos voix et nous glorifions le Seigneur. Nous élevons nos voix et nous disons merci à l'Éternel notre Père. Nous élèvons nos voix et nous lui disons que nous l'adorons. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix ce matin. Dieu Seigneur, que tu l'aimes. Dieu Seigneur, qu'il est ta joie. Dieu Seigneur, qu'il est ta paix. Élève ta voix et commence à bénir le Seigneur ce matin est ta voix, dis au Seigneur qu'il est ton bouclier. Dis au Seigneur qu'il est ton miracle. Dis au Seigneur qu'il est tout pour toi. Élève ta voix et dis au Seigneur que sans lui tu ne peux rien. Dieu Seigneur, que sans lui tu ne peux rien. Dieu Seigneur, que sans lui, tu n'es rien. Elle est ta voix et béni le Seigneur ce matin. Elle est ta voix, elle est ta voix. Dieu Seigneur, qu'il est ta joie. Dieu Seigneur, qu'il est ta paix. Dieu Seigneur, qu'il est ton bouclier. Dieu Seigneur, qu'il est ton miracle. Elle est ta voix et béni, le Seigneur. Élève ta voix, adore le Seigneur. Dis au Seigneur que sans sa présence tu ne peux rien. Dis au Seigneur que sans sa présence tu n'es rien. Commence à bénir le Seigneur. Commence à louer le Seigneur. Alléluia. Commence à dire merci Jésus. Commence à le remercier. Comment à lui dit merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta grâce infinie. Éternel, je bénis ton nom ce matin. Éternel, je lève ton nom, je ton nom. Éternel, je te dis merci. Seigneur, merci pour tes bienfaits. Seigneur, merci pour tes hauts Seigneur, merci Seigneur, merci pour ta grâce infinie. Éternel merci, ô oh Dieu trois fois saint. Éternel merci, ô oh Dieu tout-puissant. Éternel merci, c'est toi qui es le Seigneur des Seigneurs. C'est toi qui es le roi des gloires. C'est toi qui es le pain de vie. C'est toi qui es la Manne cachée. C'est toi qui es le ressuscité du troisième jour, Père. Comment ne pas te bénir ce matin Comment ne pas t'élever ce matin? Comment ne pas glorifier ton nom ce matin? Comment ne pas élever, magnifier ton nom ce matin? Tu es l'éternel Dieu trois fois saint. Tu es l'éternel Dieu tout puissant. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Tu es le commencement et tu es la fin. Mon âme te bénit ce matin. Mon âme te loue ce matin. Ô oh Père de gloire et de bonté. Éternel, tu es grand. Éternel, tu es juste. Éternel, tu es fidèle. Éternel, tu es le Seigneur des Seigneurs. Éternel, tu es celui-là qui dit un mot et la chose s'accomplit. Ce matin, je veux bénir ton nom. Ce matin, je veux glorifier ton nom. Ce matin, je veux magnifier ton nom. Ce matin, je veux célébrer ton nom. Éternel, je vais te dire merci. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, merci pour tes bienfaits. Seigneur, merci pour tes offres. Éternel, tu es le Dieu de bonté. Père, comment ne pas te bénir? Comment ne pas glorifier ton nom? Comment ne pas élever ton nom? Comment ne pas exalter ton nom? Éternel, tu es le rocher de notre salut. Éternel, tu es le pain de vie. Éternel, tu es la main cachée. Et ce matin encore, nous célébrons ton nom. Ce matin, nous magnifions ton nom. Ce matin, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire gloire, honneur et puissance à toi. Nous voudrons te dire majesté à toi. Nul n'est comme toi, Père. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi. Éternel, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Ce matin, encore une fois, je vais bénir ton nom, je vais glorifier, je vais magnifier ton nom, je vais exalter ton nom. Éternel, tu es grand, éternel, tu es bon, éternel, tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu de compassion, tu es le Dieu de paix, tu es celui-là qui ne rejette point, tu es celui-là qui n'abandonne pas, tu es celui-là, Seigneur, qui est toujours avec nous. Oui, Seigneur, c'est toi. Qui nous tient dans le creux de tes mains. Éternel, c'est toi qui es loin de nous. Éternel, c'est toi qui écart de nous. Ce qui n'est pas et confesse pas ton nom. Ce matin, nous bénissons ton Saint-Nom, Ce matin, nous glorifions ton nom. Ce matin, nous élèvons ton nom. Car tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi des gloires. Tu es la majesté suprême. Tu es toit le, toile brillante du matin. Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te louer? Comment ne pas élever ton nom? Comment ne pas magnifier ton nom? Comment ne pas exalter ton nom? Ô oh, Père de gloire et de bonté, laisse-moi te bénir ce matin. Laisse-moi t'exalter ce matin. Laisse-moi te glorifier ce matin. Laisse-moi magnifier ton nom. Ô oh, Père, tu es Dieu. Oh Dieu, tes bienfaits, tes bienfaits sont infinis. Oh Dieu, tes bienfaits, tes bienfaits sont infinis. Shalom, maman évangéliste Batel, sois bénie. Maman Malorie Chadil, sois bénie. Maman Désirée, soit bénie. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, maman Blanche Faveur, soyez bénis, maman Bénédiction, maman Patricia, soyez bénis. soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis ce matin, soyez bénis, Alléluia, soyez bénis. Que les bienfaits de l'éternel sont si nombreux. Amen. Nous allons élever nos voix et nous allons chanter, oh Dieu, tes bienfaits. Tes bienfaits sont infinis. Amen. Nous élevons la voix et nous chantons. Oh Dieu, tes bienfaits, tes bienfaits sont infinis. Oh Dieu, tes bienfaits, tes bienfaits sont infinis. Je te bénirai toujours. Je chanterai ton nom, je veux te dire Alléluia. Mon Dieu, tes bienfaits, tes bienfaits sont infinis. Oh Dieu, tes bienfaits, tes bienfaits sont infinis. Mon Dieu, tes bienfaits, tes bienfaits sont infinis. Oh Dieu, tes bienfaits, tes bienfaits sont infinis. Je te bénirai toujours. Je Chanterai ton nom. Je veux chanter. Alléluia. Mon Dieu. Tes bienfaits. On oh, tes bienfaits sont infinis. Bien aimé. Les bienfaits de l'Éternel sont infinis. Alléluia. Les bienfaits de l'Éternel sont infinis. Tu vas élever la voix, tu vas chanter. Oh, Dieu, t'es bien T'es bien fait, infinis. infinie. Élève ta voix, chante avec moi. Oh, Dieu, t'es bien T'es bien fait, infinis. Mon Dieu, t'es bien tes bienfaits sont infinis. Je te chanterai toujours. Je bénirai ton nom. Je veux chanter Alléluia. Oh Dieu, tes bienfaits. Des Santé infinie. Je bénirai toujours ton nom. Je t'éleverai toujours. Je veux chanter Alléluia. Oh Dieu. T'es bien fait. Oh, t'es bien fait. Santé infinie. Oh Dieu, tes bienfaits sont infinis. Alléluia. Tout ce que l'Éternel fait, c'est bon. Amen. Tout ce que le Seigneur fait dans ta vie, ma sœur, c'est bon. Tous les bienfaits de l'Éternel sont infinis. Alors tu vas élever la voix ce matin. Tu vas commencer à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Commence à dire au Seigneur qu'il est bon. Commence à dire au Seigneur qu'il est grand. Comment ça dit au Seigneur qu'il est glorieux, qu'il est magnifique? Comment ça dit au Seigneur que tu l'aimes, que tu l'adores? Élève ta voix et commence à bénir le Seigneur. Élève ta voix et commence à bénir le Seigneur. Commence à exalter le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Commence à lui dire qu'il est Dieu. Comment ça lui dit qu'il est tout puissant, il est vivant, il ne change pas? Oh, éternel, ce matin nous célébrons ton nom. Ce matin nous glorifions, nous magnifions ton nom. Ce matin nous te disons merci, Jésus. Éternel, merci pour ta fidélité. Éternel, merci pour ton amour. Éternel, merci pour tes bienfaits. Éternel, merci pour tes offres Qui est comme toi, Père? Qui est comparable à toi, qui est semblable à toi. Tu es le roi des gloires, le Dieu Tout-Puissant. Père, nous venons ce matin remettre ce moment entre tes mains, afin que par le Saint-Esprit, ô oh Père, tu viennes et que tu prennes la direction, que par le Saint-Esprit, tu viennes et que tu prennes le contrôle. Éternel de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire et nous avons besoin de toi. De ta présence éternelle. Nous avons besoin de toi, Père. Oh, Dieu de gloire, Dieu de compassion, viens par la direction, viens par le contrôle. Éternel, mon Dieu et mon roi. Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, ma haute retraite. Éternel, tu es ma force. Ce matin, viens me remplir. Ce matin, viens par la direction. Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Oh, Père, ben, je me remets entre tes mains. Et ne viens pas par la direction. Tu es Dieu, Papa. Tu es vivant, Papa. Oh, mon âme te loue. Mon âme te lève. Mon âme te zade. Seigneur, merci. Merci, Papa. Merci, roi des gloires. Merci Dieu Tout-Puissant. Tu es merveilleux. Tu es glorieux, Papa. Dans le corps de tes mains, je suis en sécurité. Oh, mon âme te bénit, Papa. Mon âme te loue. Je t'aime, Jésus. Oh. Alléluia. <coughs> Merci, Jésus. Bien-aimé, tu vas prendre un chant que tu aimes. Et nous allons chanter. Tu vas prendre un chant que tu aimes beaucoup. Commence à chanter. Commence à adorer le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Prends un cantique que tu aimes. Et commence à bénir le Seigneur. <coughs> commence à le bénir. Prends un cantique que tu aimes. Prends un cantique que tu aimes. Et commence à bénir le Seigneur. Alléluia. Nous voulons bénir le Seigneur ce matin. Nous voulons lui dire qu'il est Dieu. Nous voulons lui dire qu'il est bon. Tu es bon, ton amour est infini. Tu es bon, ton amour est infini. Il est bon, Jésus est bon. Il est bon, son amour est infini. Il est bon. Son amour est fini. Il est bon, son amour est fini. Il est bon. Jésus est bon. Il est bon, son amour est fini. Il est bon, son amour est fini. Il est bon, son amour est infini, Oh, il est bon. Jésus est bon. Il est bon. Son amour est infini. Il est bon. Jésus est bon. Il est bon. Son amour est infini. Il est bon. Son amour est infini. Il est bon. Son amour est infini. Oh, il est bon. Jésus est bon. Il est bon. Son amour est infini. Il est bon, ma bien-aimée. Mon bien-aimée, toi qui nous suis pour la première fois, sache que le Seigneur Jésus est bon. Alléluia. Le Seigneur Jésus est glorieux. Le Seigneur Jésus est merveilleux. Il est bon. Il est le seul ami qui ne saurait te trahir. Il est le seul, est le seul ami qui ne t'abandonnera jamais. Amen. Il est l'ami fidèle et tendre. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bien-aimé, élève ta voix, commence à le bénir ce matin. Élève ta voix, commence à lui rendre grâce. Commence maintenant à lui dire merci Jésus. Merci pour ta présence dans ma vie. Seigneur, merci pour tout ce que tu opères dans ma vie. Comment à remercier le Seigneur. Commence à lui dire que tu l'aimes. Commence à lui dire qu'il est tout pour toi. Alléluia. Il est le roi de gloire. Il est le Dieu trois fois saint. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le pain de vie, la main est cachée. Il est celui-là qui te protège. Il est celui-là qui est loin de toi, tes ennemis et tes adversaires. Il combat pour toi. Il est ton Dieu. Il est ta force. Il est ton bouclier. Il est ta haute retraite. Il ne te décevra jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Oh, Alléluia. Les hommes peuvent t'abandonner. Mais Jésus. Ne t'abandonnera jamais. <coughs> Il ne va jamais te décevoir. Oh Père, ben, je bénis ton nom ce matin. Je loue ton nom ce matin. Je lève ton nom ce matin. Car tu es ma vie, tu es ma force. Bien-aimés, soyez bénis. Nous allons continuer dans l'enseignement d'hier. Amen. Le brisement spirituel. Nous allons voir un tout petit peu et nous allons entrer dans la prière. J'espère que cet enseignement vous a fait du bien. Amen. J'espère que cet enseignement vous a fait du bien. Et que nous sommes tous sur le chemin du brisement spirituel. Nous sommes sur le chemin. Nous ne sommes pas encore arrivés, personne. Il y a certains, certainement, qui sont arrivés. Gloire à l'éternel. Mais pour nous autres, nous sommes sur le chemin. Et le Seigneur va nous aider. L Éternel va nous aider. Car il a besoin de nous. Alléluia. Soyez bénis. Ce matin, il y a quoi Soyez bénis, soyez bénis. J'ai pris un coup de froid ou quoi Soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Bien-aimés, hier, nous avons vu qu'il y avait deux images qui représentaient notre Seigneur Jésus-Christ. Qui peut me donner le nom des deux animaux les plus doux que Dieu a créés? Donnez-moi le nom des deux animaux les plus doux que Dieu a créés. Alléluia, je vous attends. Le nom des deux animaux les plus doux que Dieu a créés. Nous, nous avons vu ça hier. Donnez-le moi, s'il vous plaît. Merci. Merci, Maman Malory. Chaldil, merci. Maman Malory m'a donné le nom. Merci. Elle m'a donné le nom des deux animaux que Dieu a créés. Amen. Je vous attends. Je vous attends. Merci, évangéliste, maman Battel. Ah, je pense que le deuxième. Comment je peux appeler Le deuxième profil. Ils sont, elles sont fortes, là. Alléluia. Là, là, je ne vois plus personne, ne me donne rien. Shalom, maman Justel. Alléluia. Profil 1. Je ne vois pas. Personne ne réagit au profil 1. Est-ce que vous m'attendez au profil 1? Je vois que le profil 2 a gagné. Le profil 2, ils ne sont pas nombreux, mais ils ont gagné. Amen. Mais le profil 1, personne ne me donne. Je vous ai demandé le nom de deux animaux les plus doux que Dieu a créés. Le profil 2 a déjà donné. Amen. Les deux personnes qui sont au profil 2, elles ont donné. Mais le profil 1, donnez-moi les deux, deux animaux les plus doux que Dieu a créés. Le profil 1, je ne vois rien. Pas de réaction. Evelyne Bailly, Maman Adèle Ketchin, Maman Bénédiction Elisa, Maman Gislaine Rigaud. Amen. Le profil 1, pas de réaction. Nous l'avons vu hier. Shalom, maman Sissi, la douce. Le profil 2. Ça, ce sont les braves. Elles ont déjà donné. Elles ne sont pas nombreuses ici, mais elles sont des femmes battantes. Le profil 1. Personne ne donne le nom des deux animaux les plus doux que Dieu a créés. Nous l'avons vu hier. Alléluia. Maman Bénédiction Yao. Nous l'avons vu hier. Shalom, Maman Rose Kwaku. Comment tu vas, Maman Rose Kwaku? Ça fait longtemps. Ah, Maman Bénédiction, elle a commencé à sauver. Le profil 1, elle a dit la colombe. Et le deuxième, Maman Bénédiction Yao commence à sauver. Hey, maman Mimi dit le mouton. Non, on n'a pas parlé de mouton. Amen. On n'a pas parlé de mouton. <laughs> maman Mans béni, viens au secours de ton groupe. Oh. Maman Mams béni moi, je n'ai pas suivi le direct, mais je pense qu'il y a l'agneau la, 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 et, et la colonne. Merci, Maman Mams Béni. Maman Mans béni vous a sauvé. Amen. Maman Mams béni a sauvé le groupe 1. Maman Kasma dit agneau et la colombe. Merci, Maman Kasma, c'est très bien. C'est très, très bien. Vous devez connaître. Amen. Vous devez connaître parce que ce sont les, ce sont les, deux, anim, les deux animaux bien, amen, qui, 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 qui représentent Jésus, l'image de Jésus. Alors, si nous ne connaissons pas ça, ce n'est pas bon. Il faut connaître. Amen. On nous dit qu'on l'a amené à la boucherie comme un agneau. Comme un agneau devant ceux qui l'attendent. Donc Jésus est, est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, si vous ne connaissez pas les deux, les animaux les plus doux, aujourd'hui c'est l'agneau et la colombe. Amen. L'agneau et la colombe, ce sont les deux, les animaux les plus doux que Dieu a créés. Les deux, peut-être qu'il y a un troisième. Mais les deux là, c'est la colonne et l'agneau. Amen. Donc, toi et moi, nous devons devenir comme un agneau. Amen. Nous devons devenir comme un agneau. Et nous l'avons vu dans le livre de quoi? Acte chapitre 8. Verset combien? Donnez-moi le verset. Acte chapitre 8. Verset combien? Je vais voir si vous étudiez. Je vais voir si vous révisez. Amen. A chapitre 8. Donnez-moi le verset. Je vous ai déjà donné la référence. Maintenant, donnez-moi le verset. Alléluia. Nous sommes en train d'étudier. Et nous avançons. A chapitre 8. Verset combien Donnez-moi la référence. Le verset. Maïfran dit verset 30. Verset quoi Maïfran dit verset 32. Mais si toi, tu as dit, c'est bon, tu as donné pour toi. Chacun va donner pour lui. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donnez-moi la référence que nous avons vue hier. Lorsque nous parlions de l'agneau. Je vous ai donné plusieurs références. Ah, Donnez-moi. Alléluia. Je vais voir si vous me suivez. Si vous révisez. Alléluia. Acte 8, verset 32. Merci, Maman Malory Chadil. Sois béni. Alléluia. Acte 8, verset 32. Amen, amen, amen. C'est le passage biblique. Le passage de l'écriture. Amen. Qu'elle lisait, bien aimé, l'unique Éthiopien. Nous allons aller prendre notre Bible. Dans le livre de Acte chapitre 8. Verset 32 à 33, nous prenons la Bible. Bien-aimés, ici, les matins, on fait l'étude biblique. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Donnez-moi le, 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 le nom des deux animaux les plus doux que Dieu a créés. Chacun doit me donner. Chacun doit me donner le nom des deux animaux les plus doux que Dieu a créés. Donnez-moi, mais shalom. Ma fille Rachel Pierre, sois bénie. Donnez-moi, ceux qui ont donné, c'est bien. Ceux qui n'ont pas donné, donnez-moi, oh, donnez-moi. Le nom des deux animaux les plus doux que Dieu a créés. Les deux animaux les plus doux de la créature de Dieu. Shalom, mon fils Cyprien Pierre. Dieu soit béni. Mon fils Cyprien Pierre est dans le deuxième groupe. Sois béni. Je vais voir le groupe qui révise. Amen. Nous allons lire Acte chapitre 8, verset 32. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tend. Bien-aimé, on va prier. Père de gloire et de bonté, nous te bénissons et nous te levons ce matin. Nous magnifions et nous célébrons ton nom. Nous magnifions et nous t'adorons. Nous te disons merci Jésus pour ta fidélité et ton amour. Père, merci pour cette journée. Merci pour tes serviteurs et pour tes servantes. Papa, qui sont présents, toujours présents pour toi, Seigneur. Bénis tout un chacun de nous. Nous voulons apprendre, nous voulons aller loin avec toi. Nous voulons aller en profondeur avec toi. Saint-Esprit de Dieu, viens nous aider. Saint-Esprit de Dieu, viens nous aider. Père, merci pour ta présence. Seigneur, merci pour ta présence. Papa, conduis et dirige-moi afin que je puisse enseigner ta parole, rien que ta parole. Père, nous voulons te bénir ce matin et célébrer ton nom. Merci Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre la direction et le contrôle. Nous avons besoin de toi, de tes enseignements pour pouvoir grandir, pour pouvoir aider d'autres personnes. Oh Seigneur, viens me remplir, viens remplir mon frère, viens remplir ma soeur, remplir toute personne qui est connectée. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Soyez les bienvenus. Merci pour votre présence. Soyez bénis. Amen. Bien-aimés, le verset 12 nous dit Il a été mené comme une brebis à la boucherie. Comme une brebis Et comme un agneau muet devant celui qui le tend. Il n'a point ouvert la bouche. Et Nous avons une deuxième référence dans le livre de Esaïe 53, verset 7. Esaïe 53, verset 7. Nous allons aller lire Esaïe 53, verset 7. Esaïe 53, verset 7. Notez la référence biblique. Je lis la parole de Dieu. Il a été maltraité. Amen, amen. Écrivez-le bien, mes secrétaires. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons voir. Terre à terre. Ce que c'est que le brisement. Amen. Nous allons voir terre à terre ce que c'est que le brisement. Et cela va t'aider, toi et moi. Parce que la Bible nous dit que si nous ne tombons pas à terre et que nous ne mourrons pas, nous n'allons pas porter de bons fruits. En moi, je vais porter beaucoup de fruits. Donc, pour cela, Saint-Esprit de Dieu va nous aider. Va nous aider ce matin. Afin qu'en 2021, nous portons beaucoup de fruits. Alléluia. Bien-aimé, Esaïe 53, verset 7. Notez-le. Maman Mams s'il te plaît. Il faut tout écrire. Esaïe 53, verset 7. Jean a dit. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de Dieu, de, du monde. Jésus est l'agneau de Dieu. Pourquoi Jésus a été appelé agneau Amen. Pourquoi Jésus a été appelé agneau Pourquoi Jésus a été appelé agneau C'est le thème de ce matin. Pourquoi Jésus a été appelé agneau Les secrétaires, il faut l'écrire. Pourquoi Jésus a été appelé agneau Pourquoi Pourquoi on ne l'a pas appelé tigre Pourquoi on ne l'a pas appelé autre chose que agneau Parce que l'agneau est l'un des animaux les plus doux que Dieu a créés avec la colombe. Donc Jésus est doux. Il dit, je suis doux. Donc Jésus est doux. Enfant de Dieu, si nous voulons marcher comme Jésus, si nous voulons opérer dans la dimension de Jésus, nous devons être douces et doux. Car Jésus est doux. Amen. On va lire dans le livre de d'Ésaïe 53, verset 7. Ésaïe 53, verset 7 nous dit ceci. Il a été maltraité et opprimé. Maltraité et opprimé. Oh. Maltraité et opprimé. Amen. Bien-aimé. Il a été maltraité. L'agneau n'a pas ouvert la bouche. Bien-aimé, lorsqu'on est comme un agneau, on n'ouvre pas la bouche. Quelqu'un qui est sur le chemin du brisement, malgré qu'on te maltraite, malgré qu'on t'opprime, tu ne dois pas ouvrir la bouche. Amen. Une fois que tu commences à te justifier, Là, tu n'es même pas sur le chemin de brisement. C'est ce que j'ai dit hier. Celui-là qui est sur le chemin du brisement ne se justifie pas. Un homme est brisé, une femme est brisée. Ne se justifie pas. Ne cherche pas à se justifier. Jésus n'a pas cherché à se justifier. Malgré qu'il était Dieu et qu'il est Dieu. Jésus n'a pas dit arrêtez, je suis Dieu, je suis Dieu. Il n'a pas dit arrêtez, je suis le sauveur, je suis Dieu. Non. Il a fermé la bouche. Donc, quand tu es, en, tu es sur le chemin de brisement, un homme est brisé, une femme est brisée, et une personne qui ferme la bouche, malgré qu'on te maltraite, tu dis Seigneur. Si c'est ta volonté, je l'accepte. Ce sont les caractéristiques d'une femme brisée et d'un homme brisé que je te donne ce matin. Une personne brisée ne se justifie pas. Elle ne se défend pas. C'est Dieu qui la défend. Amen. Une personne brisée ne cherche pas à avoir raison. C'est Dieu qui a sa raison. Un homme est brisé, un homme de Dieu qui est brisé, même si on t'accuse, même si on t'accuse de tous les mots, de tous les noms, tu ne chercheras pas à te justifier. Quand je vois beaucoup qui cherchent à se justifier, c'est que le moi est encore en eux. Quand le moi est mort, tu vis que pour Christ. Donc c'est Christ qui est ta justice. C'est Christ qui te justifie. Les gens peuvent mentir sur toi. Les gens peuvent rencontrer tout ce qu'ils veulent. En vient on te dit. Tu dis merci Seigneur, parce que toi tu as souffert plus que moi. Seigneur, je te laisse toute la gloire. Et c'est Dieu même qui va te justifier. Les caractéristiques d'un homme est brisé, c'est un homme qui ne se justifie pas, un homme qui ne cherche pas. Approuver le contraire de ce qu'on dit de lui. Mais tout ce que les gens diront de toi, tu dis, Seigneur, prends le contrôle. Tu ne réponds pas. Je vois beaucoup de personnes sur les, sur les réseaux sociaux quand on dit un de un, ils vont aussi faire aussi pour dire. Non, maman, non, papa. C'est le moi qui se justifie. Le moi doit mourir. Dieu te fait passer par là afin de te briser. Dieu te fait passer par là afin de te façonner, mais comme le moi est là, tu ne peux pas accepter, nous devons accepter que notre Seigneur Jésus-Christ était l'agneau de Dieu, l'agneau est doux, Donc, la colombe qui est la, le deuxième animal doux est venue descendre sur Jésus, lorsqu'il sortait des eaux de baptême, parce que Jésus est doux. Bien, mais le Saint-Esprit de Dieu ne viendra pas se de, déposer de, de, de sur toi. Aussi longtemps que tu n'es pas doux. Aussi longtemps que tu n'es pas un agneau. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est pourquoi vous priez. Saint -Esprit, mais le Saint-Esprit ne vient pas en toi. C'est l'Esprit de la chair. C'est l'Esprit du monde qui est descendu en toi. Et tu vas commencer à parler en langue. Et tu vas penser que c'est la langue de Dieu. Non. C'est la langue satanique. Avec le cœur que tu as. Avec la violence que tu as, le Saint-Esprit de Dieu ne descendra pas sur toi. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. La colombe est descendue sur Jésus et Dieu a dit Voici celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis mon affection. Écoutez-le. Mais toi, tu es un lion qui bondit à chaque fois, qui te défend à chaque fois, qui dévore tout le monde. Comment le Saint-Esprit peut habiter en toi Ce n'est pas le Saint-Esprit. Une personne qui a le Saint-Esprit est une personne douce. Amen. Est une personne brisée. Une personne humble. Jésus a été maltraité. Non, mais Jésus a été humilié. Amen. Au verset 4, il nous dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Esaïe 53, verset 4. C'est de nos douleurs qui s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix. Est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrises que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité. Jésus a été maltraité. Jésus a été maltraité. Il a été opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Bien-aimé, le brisement, on va te maltraiter. On va t'humilier. On va te traîner dans la boue. Les gens diront forcément des choses sur ton compte. Mais la Bible nous dit, il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point ouvert la bouche semblable à un agneau. Qu'on à la boucherie, à une brebis muette, devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il faut bien souligner, il n'a point ouvert la bouche. Bien-aimé, un homme est brisé, ne n'ouvre pas la bouche. Un homme est brisé, une femme est brisée, n'ouvre pas la bouche. Un homme est brisé, une femme est brisée, ne se justifie pas. Amen. Mais quand vous voulez vous justifier, vous voulez parler, vous voulez dire, vous voulez montrer à tout le monde que c'est vous qui avez raison. Vous n'êtes pas brisé. Dieu ne fait rien avec toi. Moi, je vous dis la vérité. Je vous aime. Je suis passé par là. Je ne vais pas encore revenir. Amen. Je croyais servir Dieu, mais je ne servais pas Dieu. Je servais le moi. Et beaucoup de chrétiens ne savent pas Dieu, c'est le moi. Aussi longtemps que le moi en toi, c'est l'orgueil. Dieu ne fait rien avec toi. Jamais. Quel que soit ton charisme, quel que soit ton parler à langue, quel que soit ce que tu es, quel que soit tes prêches, quel que soient tes révélations, soi-disant, Dieu ne fait rien avec. Dieu travaille avec des hommes et des femmes brisés. Dieu travaille avec des instruments brisés. Dieu travaille avec des hommes brisés. Dieu travaille avec des femmes brisées. Dieu n'a rien à faire avec ta connaissance. Même le païen aussi, il va à l'école de théologie, il apprend. Dieu travaille avec des hommes brisés. Dieu n'a rien à faire avec toi. Tant que tu n'es pas passé par le brisement spirituel. Tu peux avoir plusieurs, plusieurs, plusieurs diplômes. Dieu n'a rien à voir à faire avec toi. Je vous ai dit, Dieu cherche des hommes et des femmes brisés. Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont perdu leur valeur initiale. Dieu n'a pas besoin de toi, de tes connaissances. Dieu a besoin d'un homme brisé. Un homme qui rentre en lui-même, qui dit je ne suis rien. Tout pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Un homme qui ne cherche pas ses honneurs. Un homme qui ne cherche pas qu'on élève. Mais un homme qui élève Dieu. Un homme qui donne tout à Dieu. Un homme qui donne la gloire à Dieu. Bien-aimé, ce matin, le Saint-Esprit de Dieu t'interpelle. Tu fais le travail de Dieu, oui. Mais aussi longtemps que le brisement n'est pas en toi. Dieu ne peut pas te servir de toi. Comme le dit la Bible dans le livre Jean 12, 24. Si le blé ne tombe à terre, le blé ne tombe, ne tombe. Et s'il ne meurt, il ne peut porter beaucoup de fruits. Bien aimé, pour porter beaucoup de fruits, il faut être mort en soi-même. Il faut être mort en soi-même, comme l'agneau. Jésus-Christ de Nazareth, il a été mené à la boucherie. La Bible dit il n'a point ouvert la bouche devant ceux qui l'attendent. Et il était Dieu. Il pouvait se défendre. Alléluia. Mais c'est le chemin du brisement. Non pas la volonté de Jésus, mais parce qu'il est venu sur la terre pour cela. Il ne pouvait pas se défendre. Lorsque Jean-Baptiste avait refusé de baptiser Jésus, il a dit fais-le. Il faut le faire. Il faut le faire. Jean-Baptiste ne voulait pas baptiser Jésus. Il dit non. C'est toi-même qui dois me baptiser. Ce n'est pas moi qui dois te baptiser. Il dit il faut le faire. Alléluia, c'est comme ça, ça doit se faire. Jésus était Dieu, mais il s'est laissé baptiser par Jean-Baptiste. Ça s'appelle le brisement. Quel que soit ce que tu es, il ne faut pas te voir grand. Amen. Une fois que tu te vois grand, c'est-à-dire que tu prends la place de Dieu. Une fois que tu te dis que moi je suis arrivé, tu prends la place de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Ce matin, bien-aimé. Je suis en train de retourner dans ce que nous avons vu hier. Mais nous sommes en train de partir. Jésus n'a point ouvert la bouche devant ceux qui l'attendent. Alléluia. Jésus a fermé la bouche. Oh, bien aimé. C'est ce qu'on appelle le brisement spirituel dans la vie de Jésus. Jésus lui-même était un homme brisé. Alors, si Jésus est un homme brisé et que nous voulons agir et opérer dans la dimension de Jésus, nous devons passer aussi par le brisement. Jésus n'a point ouvert la bouche. Mais il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui se justifient. Pour un oui, pour un non. Alors, moi, je suis ceci. Est-ce ça, tu me connais. Tu connais mon notion? Tu connais mon alliance. Patati et patata. Ça, ce n'est pas le brisement. Ça s'appelle l'orgueil spirituel. Amen. Ça s'appelle l'orgueil spirituel. Bien aimé. L'esprit de Dieu ne peut pas descendre sur toi aussi longtemps que tu es un orgueilleux spirituel. Amen. L'esprit de Dieu la colombe est descendu sur Jésus car Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Aussi longtemps que tu ne deviendras pas un agneau, l'esprit de Dieu ne peut pas descendre en toi. Est-ce que tu me comprends Nous devons être un agneau. Amen. Merci Seigneur Jésus, car les agneaux et les colombes sont les deux plus doux créatures que Dieu a créées. Il y en a d'autres, mais ils sont les plus doux. Amen, ils sont les plus doux. Merci Seigneur Jésus. Ce matin, tu vas élever la, ta voix. Commence à remercier le Seigneur avant que nous ne continuions. Commence à bénir le Seigneur et laisse ta voix dire quelque chose au Seigneur. Oh, Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Bien-aimés, dans le passage que nous venons de lire, nous avons vu que Jésus, notre Seigneur, a été décrit. Amen. Comme un agneau. Amen. Et l'agneau a L'humilité, la soumission et le sacrifice de soi. Jésus a été décrit dans les passages que nous avons lus comme un agneau. Il est l'agneau. Il est, il est, il est, il est l'agneau humble, l'humilité, la soumission. Et le sacrifice de soi. Ma soeur, elle est deux dispositions. L'humilité, la soumission et le sacrifice de soi. Amen. Jésus a été soumis. Jésus a été humble. Il n'a point ouvert la bouche. Jésus ne s'est pas défendu. Mais il a accepté son sort parce qu'il est venu pour cela. Il n'est pas venu pour faire autre chose, mais il est venu se, se sacrifier pour que toi et moi on soit sauvés. Donc il était soumis. Amen. Il était soumis à ceux qui, la, qui le tendaient. Il était soumis à ceux qui devaient le tuer. Pourtant il est Dieu. Vous avez vu le film. Comment est-ce qu'ils ont entraîné Jésus? Comment est-ce qu'ils l'ont humilié? Comment est-ce qu'ils l'ont frappé? Mais il n'a point ouvert la bouche. Bien-aimé, une personne brisée est une personne qui accepte la soumission, l'humilité et le sacrifice de soi. Si tu n'as pas les trois qualités, caractéristiques, il faut que tu commences à prier. Dieu va te donner. Moi, j'étais pire. Je vous dis que j'étais pire. Parce qu'à l'église, le pasteur m'appelle, je ne réponds pas. C'était l'orgueil diabolique, l'orgueil satanique. Parce que je connaissais la Bible. Or, oh, je ne connaissais rien. Parce que si tu, tu connais que tu ne la mets pas en pratique, c'est que tu n'es rien. Le diable m'a menti. Alléluia. Mais aujourd'hui, je suis devenu comme un agneau. Quand j'étais à l'église, mon passé dit, c'est Israël à gauche. Oui, papa, je suis là. C'est Israël à droite. Oui, papa, je suis là. Et quand les gens commençaient à me maltraiter, les gens commençaient à m'humilier, les gens commençaient à, à, à dire de, de, oh, 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 c'était le Seigneur qui passait par toutes ces personnes-là pour, pour me briser, enlever tout ce qui était mauvais à moi. Quand les gens commençaient à me, à me faire vraiment ce qu'ils m'ont fait, c'est, attends. Je suis parti voir l'homme, je dis pasteur. Il dit oui, c'est Israël. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis pasteur. Il dit oui, c'est Israël. Trois fois encore. Je dis pasteur. Il dit oui, parle, c'est Israël. Il dit papa, je vais enlever le nom Israël sur moi. Il dit pourquoi? Il dit non. Depuis que je m'appelle Israël, je suis devenu bête. Amen. Il a commencé à rigoler. <laughs> J'aime cet homme-là. Il a commencé à rigoler. Il dit oui, papa, moi je vais enlever le nom Israël. Parce que je me suis rendu compte que depuis que je m'appelle Israël, les gens me parlent mal. Les gens me humilient. Les gens me font ce qu'on ne pouvait jamais me faire. Les gens me font ce que moi je ne peux jamais accepter. Il a commencé à rigoler. Il dit c'est Israël. Il dit oui, papa. Il dit tu vas aller ramasser ce que tu as vomi. J'ai dit non. Il dit, va, Seigneur Israël. Amen. J'ai dit non, papa. Non, moi, je ne veux plus. Israël, depuis que je m'appelle Israël, depuis que Dieu m'a donné Israël, je suis devenu bête, bête, bête. Il dit, non, c'est Israël. Tu ne vas pas ramasser ce que tu as vomi. Va, c'est Israël. J'étais fâché. J'ai dit, ah Seigneur. Mais est-ce que c'est moi-là, aujourd'hui, on m'insulte? Est-ce que moi que je vais attraper le corps de la personne, même en pleine prière, je vais remuer la personne C'est moi aujourd'hui, on me fait ça. J'ai regardé jusqu'à... Je, je vais m'asseoir. Je dis, hé hey, Depuis que je m'appelle Israël, on me fait n'importe quoi. Et j'ai une amie, maman. <laughs> elle m'a dit qu'elle m'appelait... Maman, maman, il dit, hé il ne faut plus m'appeler maman Anastasie. Anastasie, maman Anastasie ne m'appelle plus Irène. Moi, elle m'appelle Israël. Elle dit, quoi? Israël, il dit oui. Elle me dira est-ce que toi tu connais le combat d'Israël Il dit, eh, c'est Dieu qui s'est révélé. Voilà. Et le pasteur a dit à tout le monde désormais, ce n'est plus Irène, c'est Israël. Elle dit en tout cas, tu connais le combat d'Israël j'ai dit non, elle dit bon, vas-y maman, que Dieu te bénisse. Effectivement, le Seigneur a commencé à me briser comme Israël est passé par le désert, par le désert. Ça fait mal, hein? Mais quand tu sors de là, Dieu te lève. Amen. Le chemin du brisement est un chemin douloureux. Mais tant que tu n'es pas passé par là, la Bible dit... Tu ne portes pas de fruits. Amen, amen. Parce que <laughs> tu ne peux pas porter de fruits. On va te peigner, tu vas jeter le, 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 ta Bible. On va te dire non, tu vas jeter ta Bible. Vous voyez pourquoi il faut le brisement. Quand tu es brisé, quel que soit ce que tu subis, tu continues l'œuvre de Dieu. Tu ne t'arrêtes pas. Mais vous voyez, beaucoup de personnes qui sont non brisées là. Vous les voyez plus, eh, oh, parce qu'on a fait quelque chose, hein, parce que ça va pas, eh, eh, la personne jette sa Bible, elle s'assoit à la maison. Voilà, vous comprenez, non? C'est ça le problème. C'est pourquoi il te faut passer par le brisement. Il y a des gens qui sont à l'église. Parce que le pasteur a parlé, elles vont plus à l'église. manque de brisement. Vous voyez? Donc, Dieu ne peut pas travailler avec des personnes qui sont encore charnelles. Parce qu'elles laissent la chair parler. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui lui obéissent. Dieu a besoin des femmes et des hommes qui font sa volonté, qui disent Seigneur, envoie-moi. C'est tout. Mais si tu es un homme Chanel, tu es une femme Chanel, mais tu ne vas pas accomplir l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu sera arrêtée à cause de toi. Non, Dieu n'a pas besoin de ces personnes-là. C'est pourquoi, ma sœur, il faut être comme Jésus. Humilité, soumission, sacrifice de soi. Amen. Humilité, soumission, sacrifice de soi. Humilité, soumission, sacrifice de soi, ça, ce sont les symboles de l'agneau. L'agneau est humble. L'agneau est soumis. Vous prenez un agneau, il va vous suivre bêtement. Même si vous allez pour tuer l'agneau, l'agneau va vous suivre bêtement. C'est comme ça que Dieu l'a créé. Et c'est comme ça que nous devons être. L'agneau est soumis. Prends l'agneau, tu vas prendre un couteau, il va te regarder. L'agneau ne va pas ouvrir la bouche. C'est pourquoi on a comparé Jésus à l'agneau de Dieu. Il s'est venu livrer pour toi et moi. Il était soumis. Il pouvait dire un mot. Il a dit, il dit, je peux ordonner. À des anges, je suis venu, mais non, ce n'est pas, pas sa volonté. Une personne brisée fait tout pour la volonté de Dieu. Une personne brisée ne cherche pas sa gloire. Une personne brisée ne cherche pas sa gloire. Moi, je travaille avec des hommes brisés. Je travaille avec des femmes brisées, les femmes orgueilleuses, les femmes où il y a la chair en elle, terminée. J'ai beaucoup appris. Amen. Je veux des femmes et des hommes brisés. Les hommes qui sont la maman, me voici. Les enfants, maman, envoie-moi là où tu veux. Même il pleut, même je vais partir. C'est ça le brisement. C'est la soumission. Mais les gens qui trouvent toujours des, des prétextes, des excuses. Oh non, c'est rentré, c'est sorti. Non. Des personnes comme ça, là, elles vont ralentir l'œuvre de Dieu. Des gens comme ça, là, si tu l'es su, l'œuvre de Dieu ne va pas avancer. Non. Parce que c'est à leur convenance, c'est à leur humeur. Quand elles sont contentes, elles sont là. Quand elles ne sont pas contentes, elles ne sont pas là. Mais aimé, moi, quand j'étais responsable de chorale, et moi, je prenais toutes les filles. Si tu sais chanter comme une colombe, mais si tu n'es pas bien, je te fous de côté. Des gens, aujourd'hui, elles sont contentes, maman, je vais chanter. Demain, elles ne sont pas contentes, elles sont assises là-bas, elles ont serré leur visage. Ça, là, tu vas le ou avec. Même si tu les forces à chanter, la gloire de Dieu ne descendra pas. Parce que Dieu lui voit le cœur. Même si la personne chante comme une casserole, mais elle est là, je viens, je la prends. Et Dieu même va travailler sa, son cœur. Dieu même va travailler sa voix. Et Dieu va mettre son esprit en elle. Elle sera une personne merveilleuse. C'est ça. On ne veut pas des personnes qui sont remplies de soi-même. On veut des personnes brisées. Que Dieu vous bénisse. Donc, voici les trois caractéristiques que tu dois avoir. L'humilité, la soumission et le sacrifice de soi. Amen. L'humilité, la soumission. Et le sacrifice de soi. Si tu as tes trois choses là, la colombe viendra se poser sur toi. Amen. Amen. Si tu as tes trois choses, la colombe, c'est-à-dire le Saint-Esprit, viendra se poser sur toi. Le Saint-Esprit viendra se poser sur toi. Soumission. Humilité. Sacrifice de soi. Si tu as tes trois choses, ma soeur, la colombe viendra se poser sur toi, Maman Battelle. Si vous avez ces trois choses-là, la colombe viendra se poser sur toi. Parce que la colombe ne viendra pas se poser sur une personne qui n'est pas doux et humble de cœur. Si Jésus n'avait pas ces trois caractéristiques, la, com la, la colombe n'aurait pas pu se reposer en lui. Amen. Jésus est doux de cœur. Il dit, je suis doux et humble. La douceur, l'humilité. Alléluia. Voilà mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je vous ai donné tout ce que tu dois avoir. Pour que la colombe descende sur toi. Donc, quand vous voyez ces hommes-là, qui disent qu'ils sont serviteurs de Dieu, hommes de Dieu, en de faire leur cinéma, s'ils n'ont pas ces trois choses en eux, laissez-les continuer leur cinéma. Mais toi, va ailleurs. Car ce n'est pas la colombe qui est descendue sur eux. C'est le fait étranger. Et beaucoup ont le fait étranger. Amen. Beaucoup ont le fait étranger. Croyant que c'est l'Esprit de Dieu, non. Aussi longtemps que tu n'as pas les trois caractéristiques, la soumission. Amen. La soumission, l'humilité, le sacrifice de soi, la colombe ne viendra pas descendre sur toi. Il faut être humble et doux de cœur. Alléluia. Bien-aimé, l'agneau, écris-moi bien le caractère de l'agneau. Je ne vais pas revenir sur ça. Écris-moi bien le caractère, les caractéristiques de l'agneau pour que tu sois comme un agneau. Amen. Les agneaux ne se plaignent pas. Les agneaux ne murmurent pas. Amen. Ma soeur, tu dois bannir le murmure, les lamentations de Jérémie là. Tu dois enlever ça. Les agneaux ne murmurent pas. Ils ne se plaignent pas. Maman Elisabeth, tu dois être une femme qui ne se plaint pas, gauche à droite. Non. Les agneaux ne murmurent pas. Une femme est brisée. Est une femme qui ne murmure pas. Une femme est brisée. Est une femme qui ne se plaint pas. Un homme est brisé. Est un homme qui ne se plaint pas. Un homme est brisé. Est un homme qui ne m'immue pas. Il faut s'aimer. L'amour. 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 Amen. Il faut s'aimer. Il faut se soutenir. Amen. Car l'agneau aime. Jésus a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Alléluia! Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour se sacrifier. On doit avoir tous ces caractères ici en toi et en moi. Alléluia! On doit avoir tous ces caractères ici en toi et en moi. S'il n'y a pas cela, il y a un problème. Que Dieu t'aide, ma soeur. Amen. Que Dieu t'aide. Maman, Mams Béni a donné, Jean 1, 29, le lendemain, il vit Jésus venir à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bien-aimé, c'est Jean qui a dit cela de Jésus. Oh, merci. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, quand tu es un agneau. Tu te sacrifies pour les autres. Bien aimé, c'est l'agneau qui a ce caractère. Alléluia. C'est l'agneau de Dieu qui a ce caractère. C'est l'agneau de Dieu qui a ce genre. Nous devons être comme Jésus. On ne va pas ôter le péché du monde, mais on se sacrifie. On se donne. On évangélise. Pour gagner les âmes. On évangélise, on porte la parole de Dieu. <coughs> on va dans des contrées lointaines. On met notre vie en péril. Mais c'est pour gagner les âmes pour Jésus. Oh, merci. Oh, Père, merci. 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 Merci, Seigneur. Merci. Bien aimé. Si tu veux que la colombe descende sur toi, si tu veux que la colombe demeure en nous, nous devons être comme des agneaux. C'est tout. Si nous voulons que le Saint Esprit de Dieu descende en nous, nous devons être comme des agneaux, des gens qui ont sacrifié leur vie à Jésus, des gens qui disent Seigneur Jésus, non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Amen. C'est le sacrifice de soi. Le sacrifice de soi, la soumission et l'humilité. Et le Saint-Esprit de Dieu, qui est caractérisé par la colombe, viendra sur toi, descendra sur toi. Et Dieu va te remplir, afin que tu portes beaucoup de fruits. Amen. Nous allons voir qui est une chèvre. Amen. La chèvre. Alléluia. Nous allons voir qui est une chèvre. On a vu l'agneau et la colombe. Moi, je veux être un agneau. Que Dieu m'aide. Amen. Je suis en train de prier. Dieu m'aide. Dieu m'aide. Et il va t'aider. Maintenant que tu sais que si tu n'es pas un agneau, tu n'es pas doux de cœur, brisé, soumis. Le Saint-Esprit de Dieu ne descendra pas sur toi. Amen. Tu ne portes pas beaucoup de fruits. On doit être comme Jésus. Des gens prient, oh Seigneur, je veux opérer dans la dimension de Christ. Mais Christ est doux de cœur. Christ est soumis. Pour opérer dans la dimension de Christ, il faut être comme Christ. Il faut être comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Une personne qui ne se plaint pas. Une personne qui ne murmure pas. Alléluia. Une personne qui ne critique pas. Mais une personne qui dit Seigneur Jésus, je suis là. Fais de moi ce que tu veux. Je vais servir Dieu. Vous voulez servir Dieu avec l'orgueil, ça ne marche pas. Vous voulez servir Dieu avec le moi, ça ne marche pas. Il faut crucifier le moi. Le moi doit mourir. Parce que tu sais Dieu, mais tu sais Dieu avec le moi. Dieu n'est pas dans ça. Vous voulez servir Dieu. Et le roi Ozias est assis en vous. Le roi Ozias est assis sur son trône dans votre vie. Le roi Ozias, qui est le moi, doit mourir. Alléluia. Le roi Ozias doit mourir. Vous devez être une femme soumise, un homme soumis. Un homme humble, brisé. Amen. Un homme qui se dit non pas ma volonté, mais la volonté de Dieu. Non, pas ma volonté, mais la volonté de Dieu. Que Dieu fasse ce qu'il veut de moi. Que Dieu m'envoie en, là où il veut. Amen. Et quand tu es une personne comme ça, la colombe demeurera en toi. Et tu porteras beaucoup de fruits. Et l'on saura que tu viens de Dieu. Prions le Seigneur pour qu'il nous aide. Amen. S'il a pu m'aider, il peut t'aider. Mais il faut accepter le brisement. Il faut accepter. Amen. Le chemin du brisement, ça fait mal. Mais il faut accepter. Ça peut durer des années. Mais un jour, tu vas témoigner. C'est ce que Dieu veut. Soyez bénis. Nous allons voir. Qui est une chèvre? Amen. Et nous allons arrêter là pour aujourd'hui. Shalom à toi, ma soeur, ma collègue. Maman Blanche Faveur, la servante de Dieu. Sois bénie, Maman Blanche Faveur. Qui est une chèvre? Ah. Alléluia. Qui est une chèvre? Et commence à te répandre. Je ne vais pas aller loin. Je vais m'arrêter là. Il est 9h51. Je vais m'arrêter. Mais je vais te dire qui est une chèvre. Les chèvres. Qui peut me donner la, la qualité des chèvres Qui est là qui peut me donner Pas Maman Blanche Faveur. Pas toi, Maman Blanche Faveur. Tu connais, tu connais, tu connais. Ce n'est pas la peine. <laughs> tu connais, ce n'est pas la peine. Qui va me dire la chèvre, quelle est sa caractéristique? Maman Malory Chaldil, Maman évangéliste Battel, une, une chèvre, qu'est-ce qu'elle fait? Quelles sont les caractéristiques de la chèvre? Tout le monde sait, qu'est-ce que, qu que fait la chèvre? Vous connaissez. Qu'est-ce que fait la chèvre? Dites-moi. Shalom, mon fils, professe à mon Gauthier. Kanga, sois béni, mon fils. Ça fait un peu longtemps. mais hein? qui peut me dire Une chèvre, c'est quoi C'est qui Qu'est-ce que fait une chèvre Qu'est-ce que font les chèvres Dites-moi, vous connaissez N'allez pas chercher loin, loin, loin. Dites-moi ce que font les chèvres. Maman Malory, Chadil, où tu es? Dites-moi ce qu'elles font les chèvres. Maman Gisela dit, elle suit le raid du troupeau. Le, la chèvre sur le raid du troupeau. Continue à chercher, à creuser. Continue à chercher. Qu'est-ce qu'elles font les chèvres? Vous connaissez, vous connaissez, n'allez pas loin. La chèvre, vous ne connaissez pas la chèvre. La chèvre, vous ne la connaissez pas. Dites-moi ce que font la chèvre, les chèvres. Vous connaissez, n'allez pas chercher loin. Papa Cyprien dit, toujours en train de murmurer. Amen. Mais il y a quelque chose que les chèvres font. Vous connaissez? Amen. Les chèvres, qu'est-ce qu'elles font, maman? Elles font quoi? Les chèvres? Non. Qu'est-ce qu'elles font les chèvres? Elles ruminent tout le temps. Non, c'est pas ça. Elles, elles, font quelque chose de particulier, de particulière. Amen. Dites-moi, vous connaissez? La chèvre. <laughs> Vous savez ce que la chèvre fait. Mais vous... Bien aimé, la chèvre. Les chèvres, pas la chèvre. Les chèvres sont destructrices. Amen. Les chèvres détruisent. Vous le savez très bien. Et c'est pourquoi on les attache. Amen. On attache la chèvre parce que la chèvre mange tout. La chèvre va détruire tout. Vous voyez? Tu laisses tes feuilles là quelque part, la chèvre va venir manger. La chèvre peut rentrer dans ton champ de manioc, manger toutes les feuilles. Amen. La chèvre détruit tout ce qu'elle trouve. Et c'est pourquoi on attache la chèvre. Le mouton, là, il n'est pas attaché. Le mouton, on peut le laisser comme ça. Le mouton peut se promener. Mais la chèvre, là, vous la voyez, toujours en train de, en train de manger quelque chose. Donc, la chèvre détruit. Amen. La chèvre, les chèvres sont détruitrices. Elles sont toujours attachées à une corde pour ne pas qu'elles aillent détruire. Vous voyez les chèvres partout avec hein, leur museau en train de détruire, en train de manger, en train de détruire. Donc, les chèvres sont détruitrices. Donc, si toi tu as une chèvre, tu es là pour détruire l'église. Amen. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont des chèvres. Elles sont là pour détruire l'église. Ils sont là pour détruire l'église. Alléluia. Il faut que tu pries. Il faut que tu pries. Pour que tu deviens une, colonne, une, une un agneau. Amen. Alléluia. La chèvre est têtue. On dit, regarde, tu es têtue comme un âne. Hein on te dit, mais regarde, tu es têtu comme un andon. La chèvre, elle est têtue. Quand tu parles à la chèvre, le temps que tu reviens, elle a déjà fait autre chose. Ça, c'est les chèvres. Il y a des chrétiens chèvres à l'église. Quand tu les parles, à peine tu finis de parler, ils refont encore la même bêtise. Ça, c'est les chrétiens chèvres. Ma maman dit qu'au village, on les considère comme diaboliques. Mais parce qu'elle tous tout. Amen. Tu attaches la chèvre ici, tu reviens, la chèvre n'est plus là-bas. À peine tu tournes le dos, la chèvre a tout détruit. Elle revient encore. Les chèvres sont têtus. Il y a des personnes têtues à l'église. Donc toi, tu es mis dans le lot des chèvres. Tu dois prier, tu dois implorer la grâce de Dieu. Afin en que fait, le Seigneur te délivre de cet esprit de chèvre-là. Tu es têtu. On te parle, on te parle, tu n'écoutes pas. On te donne des conseils, on fait tout, mais tu es toujours pareil. C'est toi qui détruis tout, tout sur ton passage. Il faut que tu pries. Amen. Si tu ne pries pas, ma soeur, tu seras <laughs> étiquetée comme une chèvre. Amen. Alors que nous devons être comme des brebis et non pas des chefs. Oh Seigneur, les chefs, ce sont les pécheurs. Nous, nous sommes les enfants de Dieu. Et Jésus a dit dans le livre de Jean chapitre 10, il dit, je connais mes brebis. Elles entendent ma voix. La brebis entend la voix de son maître. La brebis attend la voix de son maître. Bien-aimé, s'il te plaît, ce matin, si tu écoutes ce message, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui te parle. Tu dois enlever l'étiquette de chèvre et devenir comme une brebis qui attend la voix du maître. Jésus a dit, mes brebis ne suivront pas un étranger. Bien-aimé, ce matin, c'est Dieu même qui te parle à travers de moi. Jésus veut que tu changes. Jésus veut que tu enlèves l'étiquette de chèvre d'un homme têtu, d'une femme têtu. On te parle, tu n'écoutes pas. On reparle, on reparle, tu n'écoutes pas. Il veut que tu changes et que tu prennes maintenant l'étiquette de brebis. Amen. Que tu sois une brebis. La brebis qui écoute. La brebis qui entend la voix. Il dit mes brebis ne suivront pas un étranger. Parce que mes brebis connaissent ma voix. Oh, que Dieu te bénisse ce matin. Nous allons nous arrêter là pour entrer dans la prière. Je vous ai parlé de la chèvre, de l'agneau et de la colombe. De quel côté tu es? Est-ce que tu veux demeurer une chèvre ou bien tu veux demeurer une brebis? De la brebis, tu vas passer à l'agneau. Amen. D'abord, avant de passer à l'agneau, il faut que tu sois une brebis. Ne sois plus têtu, récalcitrant. On t'attache ici, tu, tu, tu coupes la corde et tu détruis tout sur ton chemin. Ça, c'est les chèvres qui détruisent tout. Il y a des gens, quand ils rentrent dans une église, ils détruisent l'église. Ce sont des chèvres. L'église était en paix. Il y avait l'amour de Dieu. Mais une fois que la personne est rentrée, avec l'esprit de chèvre, elle détruit tout. Et c'est ce que ma Maman m'a dit. Au village, on les appelle des diaboliques. Ce n'est que quelqu'un qui a diabolique qui peut détruire. Quand une chèvre rentre dans une famille, tu étais tranquille avec ton mari. Mais la personne qui a l'esprit de chèvre rentre, elle va tout détruire dans ton foyer. Quand une chèvre rentre dans un groupe, il y avait la paix, il y avait l'harmonie dans le groupe. Mais la chèvre rentre là-bas, elle détruit tout. Bien-aimé, si tu as un esprit de chèvre, tu as une personne têtue, récalcitrante, c'est ici l'occasion pour que tu puisses prier. Nous allons remercier le Seigneur. Élève ta voix, commence à bénir le Seigneur. Élève ta voix, commence à remercier le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur, à lui dire merci, Seigneur, merci. Seigneur, merci pour cet enseignement. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour moi. Seigneur, merci pour mon frère, pour ma soeur. Éternel, c'est toi qui nous conduis sur la voie de la délivrance, sur la voie du salut. Papa, tu nous délivres, papa, de l'esprit des chèvres. Oh Seigneur, pour que nous soyons des brebis ensuite des agneaux, nous voudrons te bénir ce matin. Nous voudrons te louer, te lever ce matin, nous voudrons te rendre toute la gloire, tout l'honneur. C'est Saint-Esprit de Dieu vient prendre la direction, prends le contrôle maintenant, dans la vie de mon frère et de ma soeur, dans la vie de toutes les personnes qui sont connectées. Dieu de gloire, merci Jésus, merci pour tes bontés, pour ta fidélité qui se renouvelle chaque matin. Merci pour mes soeurs, merci pour mes frères. Merci pour les enfants que tu m'as donnés. Père, merci pour tous ces enseignements qui viennent de toi. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié et magnifié. Tu es l'éternel, le Dieu tout-puissant. Tu es le Seigneur des Seigneurs, le Roi des gloires. Père, sois élevé. Au nom puissant de Jésus. Amen. Remercie le Seigneur et tu demandes au sang de Jésus de laver ton cœur. Sang de Jésus, lave mon cœur. Sang de Jésus, purifie-moi. Lave mon cœur. Lave mon cœur. Demande au sang de Jésus de laver ton cœur. Prie. Demande au sang de Jésus. Lave mon cœur. Sang de Jésus, lave-moi. Sang de Jésus, purifie-moi. Élève ta voix. Commence à prier. Commence à demander au sang de Jésus de te laver. Demande au sang de Jésus de te purifier. Élève ta voix. Tu dis sang de Jésus, lave-moi. Sang de Jésus, purifie-moi. Sang de Jésus, lave-moi. Saint de Jésus, lave-moi. Élève ta voix. Élève ta voix. Et demande au Saint de Jésus de te laver, de te purifier. Alléluia. Élève ta voix. Commence à prier. Saint de Jésus. 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 Lave-moi. Saint de Jésus. Lave-moi. Saint de Jésus. Lave-moi. Oh, Alléluia. Élève ta voix. Commence à prier, commence à prier que le sang de Jésus te lave, le sang de Jésus te lave. Élève ta voix, sang de Jésus lave moi, sang de Jésus lave moi. Oh, hallelujah. Merci Seigneur. Commence à prier, commence à demander au sang de Jésus de laver ton cœur. Demande au sang de Jésus de laver ton cœur, de laver ton, tes pensées. Élève ta voix, sang de Jésus lave moi. Saint de Jésus, purifie-moi. Saint de Jésus, lave mes pensées, lave mon cœur. Saint de Jésus, purifie-moi. Élève ta voix. Commence à prier. Demande au Saint de Jésus de te laver, de laver ton cœur, de laver ta pensée. Au nom de Jésus, élève ta voix et bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Élève ta voix. Bénis le Seigneur. Il est le Dieu trois fois saint. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des gloires. Il est le pain de vie. Il est la manne cachée. Il est le ressuscité du troisième jour. Élève ta voix. Et commence à prier. Commence à élever la voix. Commence à bénir le Seigneur. 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 Commence à, le Seigneur. Commence à, le Seigneur. Commence à dire au Seigneur que tu l'aimes. Oh, alléluia. Dis Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Seigneur, tu es tout pour moi. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Adore le Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es le Dieu de bonté. Tu es le Dieu trois fois saint. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Roi de gloire. Oh, merci Jésus. Éternel, tu es bon. Éternel, tu es grand. Éternel, tu es juste. Éternel, tu es fidèle. Éternel, tu es le Seigneur des Seigneurs. Merci Jésus. Oh, Alléluia. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Élève ta voix. Commence à bénir le Seigneur. Élève ta voix. Commence à rendre grâce à l'Éternel. Dis merci à l'Éternel. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis, Dis, Dis le merci Seigneur. Éternel, viens, transforme-moi, change-moi, brise-moi, façonne-moi, change mon cœur, change mon caractère, détruis-moi tout ce qui n'est pas de toi, enlève tout ce qui est de chèvre dans mon cœur. Commence à prier que le Seigneur puisse te délivrer, qu'il puisse enlever tout ce qui est de chèvre et qu'il te remplisse de son amour, de son esprit. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas dire, oh Seigneur. Que la puissance du Saint-Esprit demeure en moi et qu'il détruise en moi tout ce qui n'est pas de toi. Élève ta voix. Que la puissance du Saint-Esprit de Dieu demeure en toi afin de détruire tout ce qui n'est pas de Dieu dans ton corps. Que le Saint-Esprit de Dieu descende dans ta vie maintenant. Le Saint-Esprit de Dieu va briser, va détruire tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu dis, je brise et je me libère de tout lien maléfique et satanique que j'ai hérité. De la maison de mon père et de ma mère. Au nom de Jésus. Commence à briser les liens maléfiques, les liens sataniques que tu as hérités de la maison de ton père. Au nom de Jésus. Commence à les briser. Commence à les briser. Au nom de Jésus. J'ai brisé, je me libère de tout lien maléfiques et satanique que j'ai hérité de la maison de mon Père. Au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Bien-aimés, soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Eh. Que le Seigneur vous bénisse puissamment. Merci Seigneur. Bien-aimé, à partir de demain, je vais remettre des prières. Amen. Je vais remettre des prières à partir de demain. Amen. Eh. Nous allons remettre des prières. Que nous allons prier jusqu'au 31 décembre. Et après, le 31 décembre, je vais encore mettre des prières. Que nous allons faire tout le mois. Bien-aimé, les prières que je mets. Il faut le faire. Amen. Faites ces prières-là. Ce sont ces prières-là qui vont vous délivrer. Faites-les. Au nom de Jésus, faites ces prières. Il faut payer les prix. Il n'y a pas de magie. C'est toi-même qui vas prier. Et puis Dieu va agir dans ta vie. Amen. Comme je vous ai dit, le mois prochain, par la grâce de Dieu, nous allons organiser. Je vous ai dit trois mariages. Moi, j'ai prophétisé. À toi maintenant de prier pour que cela se concrétise. Moi, j'ai prophétisé. Donc, dans l'espace, il y a trois mariages qui doivent être célébrés. C'est comme ça. C'est le spirituel. J'ai déjà programmé trois mariages. Maintenant, toi qui es là, qui veux te marier, il faut que tu pries pour que tu sois parmi les trois personnes. J'ai dit trois et pas quatre. Donc, il faut que tu pries. J'ai déjà programmé. C'est déjà fait. Amen. Dans le spirituel, nous devons célébrer trois mariages. Maintenant, c'est toi qui dois prier pour que tu sois parmi les trois. C'est déjà fait. Comme je ne peux pas choisir les gens, moi, j'ai déjà programmé trois mariages. C'est fait. Dieu a mis son cachet. Amen. Le Dieu Tout-Puissant qui exauce les prières. Il a mis le cachet. OK. Donc les trois marins sont là. À toi maintenant d'arracher ton mariage. Et c'est dans la prière. Amen. Et c'est dans la prière. C'est pourquoi, à partir de vendredi, là, nous allons reprendre la plateforme des femmes de promesse à partir de ce vendredi. Donc toutes les personnes qui veulent se marier, vous vous, vous, vous vous inscrivez pour que nous puissions prier. Amen. Voilà. Donc, à partir de ce vendredi, nous allons reprendre les prières. J'avais arrêté parce que je n'avais plus de, de connexion. Dieu nous a fait la grâce. Donc, je vais reprendre. Alors, toi qui es là, qui veux te marier, ou bien qui vis en concubinage, c'est-à-dire que tu vis avec un homme. Qui ne se décide pas. Inscris-toi. Parce que là, là, tu es dans le péché. Si Jésus vient là, c'est grave pour toi. Donc, il faut que ce monsieur-là se décide à t'amener à la mairie ou devant ta famille. Donc, inscris-toi. Ce vendredi, nous allons commencer les prières. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez bénis. Bien-aimés, j'avais demandé hier qu'on puisse soutenir. L'ONG, amen. De la servante de Dieu à Abidjan. par la grâce de Dieu, il y a certaines mamans qui ont répondu présent. Il te reste toi, tu n'as pas encore répondu. Donc, moi, j'ai dit moi-même, je vais envoyer l'argent à votre nom, mais je ne veux pas que la bénédiction soit pour moi seule. Amen. Donc si tu es là et que tu veux aussi attraper cette bénédiction-là, Maman Régine Dolcado est là. Vous allez sur Messenger, vous tapez Régine Dolcado elle va apparaître et vous voyez avec elle. Que Dieu vous bénisse en le faisant. Je vous ai dit que l'agneau est doux. Amen. L'agneau est soumis. L'agneau écoute. Donc, déjà, je vais voir si vraiment vous voulez être des agneaux. Amen. L'agneau écoute. Quand on lui parle, il est fait. L'agneau ne cherche pas à discuter. L'agneau ne cherche pas à donner des excuses. J'ai dit, hein, si tu as 5 euros, il faut donner. Si tu as 10 euros, il faut donner. Mais il y a des mamans qui ont commencé par 30 euros. Que Dieu vous bénisse. Elles ont commencé par 30 euros. Elles ont mis la barre là, très haut. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu se souvienne de vous. De la même manière que vous avez été prompt à répondre. Que le Seigneur vous exauce. Au-delà de tout ce que vous lui demandez. Je bénis toutes ces personnes-là. Oui, vous êtes vraiment sur la voie de devenir des agneaux. C'est bien. Continuez. Et le Seigneur va vous élever. Ce n'est pas l'homme qui élève, c'est Dieu qui élève. Mais pour que Dieu t'élève, il y a des conditions. Et une des conditions, c'est ce que je vous ai appris. Soyez des brebis. Des brebis qui écoutent la voix du Maître. Et quand tu as une brebis, Dieu fera de toi un agneau. Et le Saint-Esprit de Dieu descendra sur toi. Et tu porteras des fruits dignes de la repentance. Que Jésus soit béni en toi. Que Jésus soit élevé en toi. Que Jésus te bénisse dans tous les départements de ta vie. Au nom de Jésus. Bien-aimés, soyez bénis. Merci pour cette journée. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On va prier, on va faire trois prières. Et nous allons arrêter. Je sais que vous aimez bien les prières maintenant là. C'est bien, vous aimez les prières. Aimez les prières. Aimez les prières. Amen, amen. Aimez les prières. On va prier. Oh, Seigneur. Alléluia. On va prier. On va dire, oh Seigneur, dis oui à ma prière. Et tu vas prendre comme lecture biblique Esaïe 6. Tu vas prendre comme référent biblique Esaïe chapitre 6. Tu vas lire tous les chapitres d'Ésaïe, chapitre 6. Ésaïe chapitre 6, tu vas le lire. Et nous allons prier. Galat chapitre 2, verset 20. Galat chapitre 2, verset 20. Nous allons faire la confession. Dans le livre de Galat chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. L'humilité, mourir en soi-même. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alléluia. J'ai été crucifié. Bien-aimé, tu dois être crucifié avec Christ. Tu dois tomber, tu, tu dois mourir. Et quand tu nais, c'est Christ qui vit en toi. Aussi longtemps que Christ ne vit pas en toi, tu ne peux pas porter le fruit digne de la repentance. Galates chapitre 2, verset 20. Il faut le méditer, on le confesse. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis par la foi au fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Calade chapitre 2, verset 20. Merci maman Régine. On le reprend, on le confère tous ensemble. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Alléluia. Maintenant, nous allons prier. Oh, Alléluia. tu dit, oh Dieu, dis oui à ma prière ce matin. Oh Dieu, dis oui à ma prière ce matin. Dis oui à ma prière ce matin. Et toi-même, tu vas dire, j'ai dit oui, Seigneur. J'ai dit oui, Seigneur. J'ai dit oui, Seigneur. Ésaïe chapitre 6, il faut le lire. J'ai dit oui, Seigneur. Tu dis oui au, au Seigneur ce matin. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Tu vas dire, Oh Seigneur, guéris mon cœur meurtri. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, guéris mon cœur meurtri. Guéris mon cœur. Guéris mon cœur. Guéris mon cœur meurtri. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, guéris mon cœur meurtri. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, mon sauveur, mon maître, mon libérateur, mon consolateur, guéris mon cœur maître Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, guéris mon cœur, guéris mon cœur, guéris mon cœur. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas encore prier. Je refuse d'être divisé contre moi-même. Je refuse d'être divisé contre moi-même. Allez refuser. Il y a des gens qui sont divisés, qui ne savent pas que faire. Où je vais à droite, où je vais à gauche, ils sont confus. La personne qui est divisée contre lui-même est une personne qui est dans la confusion. Alors commence à prier. Ô oh Seigneur, je refuse d'être divisé contre moi-même. Au nom de Jésus, je refuse, je refuse, je refuse, je refuse d'être divisé contre moi-même. D'être divisé contre moi-même. Ô oh Seigneur, je refuse d'être divisé contre moi-même. Au nom puissant de Jésus, éternellement Dieu mon roi, je refuse. Je refuse, je refuse, je refuse d'être divisé. Je refuse l'esprit de confusion, l'esprit de trouble. Au nom de Jésus, ô oh Seigneur, je refuse d'être divisé contre moi-même. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu dis, au oh Seigneur, va ton huile curative dans mon âme troublée. Mon âme est troublée, Seigneur. Va ton huile curative dans mon âme troublée. Va ton huile curative. ô oh Seigneur, au oh Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi avec ton huile fraîche. Ô oh Seigneur, mon âme qui est troublée, Seigneur, fais ton huile fraîche, Seigneur, dans mon âme troublée, au nom de Jésus. Ô oh Seigneur, fais ton huile fraîche dans mon âme troublée. Élève ta voix, commence à prier. Que le Seigneur puisse verser son huile fraîche dans ton âme troublée. Élève ta voix, commence à prier. Ton âme est troublée. Tu ne sais pas que faire. En ce moment, tu es troublée. En ce moment, tu es dans la confusion. Alléluia, demande au Seigneur de verser son huile fraîche dans ton âme troublée, au nom de Jésus. Ô oh Seigneur, verse ton huile fraîche dans mon âme troublée. Je suis dans la confusion, Seigneur, ce matin. Je te demande, ô oh Père, de verser ton huile fraîche dans mon âme troublée, dans mon âme confuse, au nom puissant de Jésus. Alléluia, tu vas encore prier, tu vas dire, ô oh Seigneur, tiens-moi dans tes bras de guérison. Au nom de Jésus, ô oh Seigneur, tiens-moi dans tes bras de guérison, dans tes bras de guérison, au nom puissant de Jésus. Ô oh Seigneur, tiens-moi dans tes bras de guérison, dans tes bras de guérison. Seigneur, guéris-moi, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, guéris-moi. Ô oh Seigneur, tiens-moi dans tes bras de guérison. Éternel, mon âme te loue. Seigneur, guéris-moi ce matin, au nom puissant de Jésus. Amen, and amen, que le feu du Saint-Esprit Évapore toute froideur envers le Seigneur dans mon cœur. Toi, tu as froid envers le Seigneur. Tu as froid envers les choses de Dieu. Commence à prier. Ô oh Seigneur, que le feu du Saint-Esprit évapore toute froideur envers le Seigneur dans mon cœur. Au nom puissant de Jésus. Tu vas encore prier. Amen. Tout pouvoir qui menace de ma lâche ta prise. Au nom de Jésus. Ô oh Seigneur, que tout pouvoir qui menace Amen. De ma vallée, lâche ta prise. Lâche ta prise. Tu n'es pas une personne qu'on peut avaler. Tu vas ordonner que le pouvoir qui menace de ta vallée, de te détruire, puisse lâcher sa prise maintenant. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, que tout pouvoir qui menace de ma vallée, lâche sa prise. Lâche. Allez, lâche-moi. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas encore prier le dernier. Tu vas encore prier le dernier. Que la puissance dans le sang de Jésus détruise mon orgueil au nom de Jésus. Ô oh Seigneur, que la puissance dans le sang de Jésus détruise mon orgueil, détruise mon orgueil, détruise mon orgueil, détruise mon orgueil, détruise mon orgueil au nom puissant de Jésus. Commence à prier. Ô oh Seigneur, que la puissance du Saint-Esprit détruise mon orgueil, détruise le moi, détruise le moi. Au nom puissant de Jésus. Ô Seigneur, que la puissance du Saint-Esprit détruise mon orgueil, détruise le moi, le moi, le moi, soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit détruit. Détrui. Au nom puissant de Jésus. Ô Seigneur, que la puissance du Saint-Esprit détruise l'orgueil, détruise le moi. Au nom puissant de Jésus, Amen and Amen. Commence à remercier le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Commence à dire au Seigneur qu'il est bon, qu'il est grand. Qu'il est juste, il est fidèle. Il est le roi des gloires. Il est le Seigneur des Seigneurs. Remercie le Seigneur pour ce moment de prière. Bénis le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le 23 décembre. Demain sur le 24. Nous allons commencer une autre série de prières. Alléluia. Bien-aimé, c'est la prière qui te donnera la victoire. C'est la prière qui va permettre que les portes s'ouvrent dans ta vie. C'est la prière qui va permettre que tu puisses avoir des témoignages. Alléluia. Aime la prière. Aimez la parole de Dieu. Aimez là où on vous enseigne la parole de Dieu. Aimez là où on vous enseigne la parole de Dieu. N'aimez pas les choses qui sont passagères. Aimez la parole de Dieu. Aimez là où on vous éclaire. Là où on vous parle de la part de Dieu. Là où on vous enseigne la parole de Dieu pour que toi aussi à ton tour tu puisses enseigner à d'autres personnes. Aimez la prière. Car la prière est la clé. La, la, la prière est la clé qui va t'ouvrir toutes les portes. Que le Dieu te bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Nous, nous sommes un groupe de prière. Nous sommes une église de prière. Alléluia. Nous sommes une plateforme de la prière et de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Que la main de Dieu soit sur votre vie. Et que tout ce que le diable a programmé soit déprogrammé. Je vais prier pour toutes les personnes ici présentes. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Et que la gloire revienne à Dieu. Que tout ce que le diable a programmé dans ta famille soit brisé et soit déprogrammé. Que tout ce que l'ennemi le, a programmé en cette fin d'année soit déprogrammé, soit annulé complètement. Au nom de Jésus. Que le piège que le diable a mis sur ton chemin, que le feu de Dieu le consume. Tout piège maléfique prend feu maintenant. Tout piège satanique prend feu maintenant. Au nom de Jésus. Que les barrières maléfiques, les barrières sataniques. Que l'ennemi a mis sur ton passage, soit consumé par le feu de Dieu. Que tout embargo maléfique, satanique, qui a été mis sur ton chemin, soit ôté maintenant. Soit ôté, soit ôté. Que l'ennemi qui a combattu ta gloire, soit consumé par le feu de Dieu. Que l'ennemi qui combat ton suicide, soit renversé au nom puissant de Jésus. Que toute main maléfique, toute main satanique qui se lève contre toi, prenne feu maintenant. Prennent feu, que la bouche satanique, la bouche maléfique qui se lève contre toi soit frappée, soit fracassée au nom de Jésus. Que tout esprit de, 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 de blocage, esprit mystique, maléfique qu'ils ont lancé contre toi soit consumé par le feu de Dieu. Je brise maintenant et je te libère des œuvres diaboliques et sataniques. Que tout ce que le diable a programmé. Quand ta famille, contre toi, soit déprogrammé. Je vous plonge dans le sang de Jésus. Que le sang de Jésus puisse vous laver et vous purifier. Que la gloire de Dieu descende dans votre vie, dans votre famille. Que partout où tu iras, tu sois la première, le premier et non pas le dernier. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Au nom de Jésus, allez et prospérez. Allez et réussissez. Allez et possédez vos possessions. Au nom puissant de Jésus. Père, je te les remets entre tes mains. Saint-Esprit de Dieu, conduis et dirige-les. Donne-leur de témoigner. Donne-leur de dire les hauts et les bienfaits de l'Éternel. Éternel, tu es Dieu. Éternel, tu es grand. Sois béni au nom puissant de Jésus. Amen and Amen. Sois béni. Shalom. Shalom. Merci pour votre présence. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés, le 31, nous aurons une autre... Heure. Prière. Amen. En direct. Alléluia. Le 31, nous aurons notre prière en direct. Que le Seigneur vous bénisse. Et le mois prochain, par la grâce de Dieu, nous allons tout faire pour avoir une salle. Afin qu'au moins une fois tous les deux semaines, nous puissions nous rassembler les samedis. Dieu va nous aider. Nous allons avoir une salle. Alléluia. Tout cela, mettez tout cela dans la Prière. Priez pour que nous puissions avoir une salle à Paris. Amen, Amen. Dans Paris ou dans une banlieue proche. Amen. Priez, mettez tout cela en prière. Que Dieu puisse nous libérer une salle au moins deux fois par mois. Nous allons nous retrouver et nous allons organiser des retraites spirituelles, des délivrances. Et vous allez voir ce que Dieu est Dieu. Il est capable de faire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et toi-même, tu commences à prier. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Commence à prier parce qu'en 2021, tu ne vas pas être une suiveuse, mais tu vas être une femme qui est engagée dans l'œuvre du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Merci. Et merci. Et ce samedi-là, n'oubliez pas notre réunion. Amen. Ce samedi, toi qui veux, tu viens à la maison avec ton masque. Amen. Nous prions chaque deux samedis. Donc ce samedi, nous allons nous retrouver chez moi à la maison ici. Amen. Donc tu es invité. Si tu es dans la région parisienne, tu es à Paris, tu viens avec ton masque. Amen. Mais nous allons prier. Et la prière commence à 14h30. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen and Amen, nous allons partager la grâce. Que la grâce du Seigneur, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de notre jour. Amen. Pour ce que le Seigneur a fait pour nous, nous allons crier un grand Alléluia. On y va. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Amen. N'oubliez pas, nous allons avoir la prière de toutes les femmes de promesse. J'appelle femmes de promesse les femmes qui veulent se marier, celles-là qui vivent en concubinage le vendredi. Alors, si tu es intéressé, envoie-moi un message. Alléluia. Envoie-moi, on va prier tous ensemble. Je ne peux pas vous prendre individuellement. J'ai tellement, 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 tellement de choses à faire. Amen. Donc, nous allons faire la prière d'ensemble. Alléluia. Les femmes de promesse, nous allons créer un salon où vous allez toutes vous retrouver. Et c'est dans ce salon-là que nous allons prier. Amen. Donc, nous allons commencer le ventre. On avait déjà commencé, mais à cause de la connexion, j'avais arrêté. Nous allons reprendre ce, ce vendredi-là. Donc, toi qui es là et qui veux te marier, Alléluia, envoie-moi un message. Dieu va faire. Soyez béni. J'ai dit trois mariages à partir du mois de janvier. J'ai déjà, déjà dit. Dieu a dit, oui, c'est fait. Maintenant, c'est toi qui vas prier pour pouvoir être parmi les trois personnes. Moi, j'ai déjà dit pour moi. C'est déjà fait. Dieu a dit, oui, il n'y a pas de problème. Ma servante. Tout ce que tu dis, moi, je le fais. Maintenant, à toi maintenant de prier. Que Dieu vous bénisse. Shalom.